Bonjour, aujourd'hui on va aborder la question écologie, peut-on sauver le climat avec ceux qui le détruisent Il y a en Belgique depuis des semaines, des mois même, de splendides manifestations pour le climat, dans d'autres pays aussi. Et il y a vraiment une, une vague de fond dans la jeunesse spécialement où la chose qui ressort c'est change the system not the climate ne laissez pas dégrader le climat changez le système je crois qu'effectivement si on veut sauver le climat il faut choisir et changer le système mais la grande question c'est qu'est-ce que c'est le système et qu'est-ce que ce serait un autre système et là ces derniers jours, on vient d'avoir en Belgique une initiative assez originale, interpellante. Est-ce qu'elle est bonne C'est une grande pétition qui a recueilli énormément de signatures. Ça s'appelle Sign for the Future. Euh, et elle a été signée par euh, des ONG comme euh, le World Wildlife Fund comme le CNCD, une organisation de coopération avec le Tiers-Monde, qui malheureusement est devenue une ONG pro-guerre, ou Médecins du Monde. Donc il y a toute une, sé une série d'ONG, toute une série de citoyens. Ça a l'air bien. Et puis on voit qu'il y a aussi tous les grands médias et les agences de pub, RTL, Paris Match, tout ça. Bien. Euh, ces gens-là qui diffusent de la pub pour toutes sortes de firmes polluantes. Est-ce que tout d'un coup, ils seraient touchés par la grâce mais bon, le problème surtout, c'est qu'on voit derrière cette euh, euh, manif, derrière cette pétition, on voit une série de grands patrons de grosses multinationales belges qui euh, se joignent et qui sont en train de dire, voilà, on va tous lutter ensemble, les entreprises, les ONG, les jeunes, les citoyens, pour le climat. Ça serait beau, si c'était vrai. Le problème, c'est est-ce qu'on peut leur faire confiance La première chose à regarder, c'est quelles sont les revendications qu'ils ont avancées. Il y en a trois, et sincèrement, c'est très vague. Les trois revendications sont que une loi doit intervenir qui interdit des émissions de gaz toxiques pour 2050. Donc jusqu'en 2050, on peut continuer à polluer comme ça. Deux, avant la fin 2022, on doit, le gouvernement doit investir pour sauver le climat. Ça fait encore quatre années de perdu. On, on attend quoi là euh, Fin 2022. Et une commission indépendante va euh, évaluer euh, comment les choses évoluent. Bien, c'est complètement vague, c'est des promesses. Euh, avec ça, on donne un chèque en blanc à une série de partis politiques qui depuis des années n'ont absolument rien fait pour le climat, sinon des promesses, des conférences, des déclarations, mais il n'y a absolument rien qui change. Donc, on doit examiner euh, si, je disais donc, ni quand le système, pas l'écosystème, on doit examiner si c'est possible avec des entreprises comme celles qui sont derrière cette euh, pétition, cette euh, plateforme. Et là, vous avez par exemple la BNP Paribas, une des grandes banques en France, en Belgique, dans le monde. Le problème, c'est que BNP Paribas investit 30 milliards d'euros dans le charbon, le pétrole et le gaz, beaucoup plus que toutes les autres banques. Et ils viennent faire quoi, là Alors ils sont en train d'investir dans les choses les plus polluantes. Ils changent rien. Et ils se prétendent défenseurs écologistes. Une autre firme qui signe ça, c'est Unilever. Vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais quand vous allez au supermarché, vous, une grande partie de votre caddie, c'est rempli de produits d'Unilever. C'est avec euh, Nestlé, Danone, deux, trois firmes comme ça. C'est le, le plus gros fabricant, distributeur en alimentation, en produits euh, d'hygiène, etc. C'est vraiment ça qui remplit les caddies. Et donc, euh, une île c'est un gros problème parce que c'est les principaux pour déforester euh, la, la forêt en Amazonie. On cultive l'huile de palme, on détruit la forêt dont nous avons tellement besoin et on inonde les marchés de produits en plus qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Un autre exploit de euh, une île vert, c'est le, le plastique, c'est des, des frénétiques, des malades chroniques du plastique. Pour vous donner une idée, en Asie, en Inde, où les gens sont pauvres, ils diffusent leur shampoing, pas dans des bouteilles en plastique, mais dans des petites doses individuelles pour une fois, parce que les gens sont pauvres. Donc on a calculé qu'ils ont produit en un an 27 milliards de sacs plastiques de déchets. Donc, euh, désolé, Unilever quand il vient dans les manifs pour le climat, c'est comme si on appelait un pyromane en disant « c'est lui qui va éteindre l'incendie ». Bien. Euh, une autre firme euh, importante, c'est Umicore, « Materials for a Better Life », ça, ça, ça sent splendide, « Clean Technologies ». En réalité, Umicore, ce sont euh, sous un autre nom, l'Union minière, c'est les gens qui ont assassiné Patrice Lumumba au Congo, qui ont instauré la dictature de Mobutu, et je m'excuse, mais quand une multinationale assassine des présidents, des premiers ministres qui veulent défendre leur pays et qui veulent éliminer la pauvreté, mais des dictateurs à la place, c'est évidemment une cause énorme de pollution. On n'a jamais entendu Micor faire une autocritique là-dessus ou indemniser la, la, la famille de Patrice Lumumba, reparer envers le peuple du Congo. À Obo, près d'Anvers, où ils ont une usine, il y a une pollution absolument considérable pendant des années. Ils n'ont pas vraiment assaini. Et les femmes ont deux fois plus de chances, là, de faire des cancers du sein. Donc, bon, euh, sign for my future, je m'excuse, mais c'est ce qu'on appelle du, du greenwashing. Et euh, il y a aussi, euh, avec Humicore, euh, il y a Solvay, euh, qui sont des grands euh, déforestants, de la, euh, de la, qui sont des, des grands pollueurs. Humicore euh, et Solvay sont notamment énormément dans le travail pour les nouvelles batteries, pour les voitures électriques. Bien, c'est probablement moins polluant que le pétrole, bien entendu, mais le problème, c'est est-ce qu'on doit développer énormément de transports individuels en bagnole, avec toutes les conséquences qu'on connaît, ou est-ce qu'on doit développer à fond les transports publics Donc, cette initiative de Sign for My Future a soulevé beaucoup de résistance. Il y a par exemple un mouvement qui est très actif ici en Belgique, Students for Climate, qui a déclaré, je cite, « Bien entendu, c'est bien qu'il y ait un dialogue qui démarre, mais nous ne croyons pas que ces entreprises qui sont dirigées par euh, la soif du profit absolument vont comme ça d'elles-mêmes prendre des mesures euh, ambitieuses pour le climat ». En fait, nous n'acceptons pas leurs récits, les histoires qu'ils racontent sur la problématique du climat. Et nous, dit uh, Students for Climate, on va venir en rue et on va leur montrer qu'est-ce que c'est vraiment euh, la démocratie. Le problème, donc, c'est que ces multinationales sont pas du tout crédibles. Euh, parce que les multinationales qui signent ce genre de pétitions et qui font du greenwashing, ce sont ces multinationales, un, polluent le plus, deux, qui payent le moins d'impôts, et trois, qui font le plus de lobby pour empêcher des petites mesures qui pourraient protéger le climat. Bon, ça, c'est une accusation, il faut donner des preuves, et donc, euh, les preuves en voici, par exemple. Euh, en fait, il faut bien distinguer la propagande et la réalité, c'est comme pour la guerre, les dirigeants, les présidents, les sociétés. Font une propagande pour la guerre en disant qu'elle est humanitaire, mais ce qui compte, c'est la version réelle. Et bien, dans la question du climat et de la pollution, c'est la même chose. Ils font leur propagande comme on vient de leur dire, ça ne leur coûte pas très cher, mais le grand problème, c'est qu'en coulisses, ils travaillent pour empêcher de vraies mesures d'avancer. Je vais donner un exemple ou deux. C'est le plus gros euh, lobby euh, du business en Europe. Il s'appelle Business Europe. Vous avez ici la photo de ces charmantes personnes qui travaillent à Bruxelles pour euh, faire en sorte qu'aucune décision euh, qui les embête un peu ne soit prise. Et Business Europe, c'est intéressant. Il y a un document qui a fuité. Merci aux lanceurs d'alerte. Et dans ce document, on, Business Europe dit qu'ils vont s'opposer à des plus hautes ambitions pour le climat que ce qui avait été décidé à la COP. Et on sait que c'est rien du tout. Et nous allons user les arguments habituels de la, de la communauté économique mondiale, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas payer pour les autres. Là, vous voyez, c'est l'argument fondamental de ces multinationales. et Non, on peut pas, nous faire des choses pour l'écologie parce que alors on va, ça va nous coûter de l'argent et on va perdre notre compétitivité par rapport à nos rivaux. Ça, c'est le piège. Tant qu'on est là-dedans, dans une économie pour faire des profits maximums et plus que les voisins, évidemment qu'on va continuer à polluer. Et je vais revenir là-dessus dans 2-3 minutes. Euh, pour le lobby, c'est vraiment très très grave. Euh, par exemple, en mai de l'année dernière, la Commission européenne est venu avec un projet pour diminuer tous ces plastiques dans lesquels on emballe les choses qu'on nous vend. Et l'idée, c'est qu'on allait réduire beaucoup ça et que le pollueur allait être le payeur. C'est-à-dire que les fabricants qui emballent leurs affaires dans du plastique allaient devoir payer. Et bien directement, un lobby qui s'appelle euh, Plastics Europe est venu euh, prendre des mesures, je cite, euh, tout ça. Ça entraverait la libre circulation du plastique. Et en avant, on continue. Et la firme Solvay, qui signe la fameuse Sign for My Future, est aussi un membre très éminent de Plastique Europe. C'est une très grosse usine de chimie et ils veulent continuer à polluer. Le Parlement européen avait par exemple décidé que, vous savez, les, tous les bouchons et des bouteilles en plastique qui se jettent, qui traînent partout, etc. On allait obliger les fabricants à faire en sorte qu'ils ne se détachent plus de la bouteille, qu'on puisse plus les détacher et qu'on puisse au moins recycler tout. Qui est venu euh, faire du lobbying pour empêcher ça Danone. Danone est aussi dans les signataires de la fameuse appel des multinationales soi-disant pour le climat. Donc vous voyez, on est à fond dans le lobby. Encore un exemple, il y a un an ou deux, je crois. Le gouverneur de Californie. A voulu prendre des mesures pour que euh, tous les produits euh, indiquent s'il y avait des composants OGM qui venaient euh, dans ces produits que, que les gens achetaient et consommaient. Qui a fait du lobbying en dépensant 450 000 dollars pour empêcher cette mesure de passer Unilever, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est une des firmes qui signe maintenant le nouvel appel Greenwashing. Donc voilà, on est vraiment dans. Euh, un travail de lobbying constant et en fait il faut maintenant réfléchir en profondeur changer le système c'est quoi ben si le capitalisme c'est le gaspillage et je suis convaincu de ça alors c'est le capitalisme qui est le problème de la pollution et le capitalisme c'est le gaspillage parce que comment est-ce qu'une entreprise arrive à dominer le marché en faisant plus de profit. Comment est-ce qu'on fait plus de profit En vendant plus cher, mais ça, ce n'est pas la meilleure méthode. Et donc, surtout, en vendant davantage. Donc, il faut vendre de plus en plus. Mais c'est ça le problème. Notre intérêt à nous, c'est d'avoir les biens dont nous avons besoin, et pas qu'on nous pousse avec des publicités et toutes sortes de choses à acheter de plus en plus. Et regardez, dans la société qui, euh, dans le, le Sign for My Future, vous avez euh, le patron de Colreutz, c'est la grosse entreprise de distribution en Belgique. Vous avez euh, Deleuze aussi, c'est de numéro 2 en Belgique. Regardez ce que je viens de recevoir hier euh, sur Internet. Euh, super, c'est Crazy Tuesday. 10% de réduction sur toutes vos courses en ligne et des publicités 1 plus 1. Vous achetez un produit, on vous en donne un autre. On ne vous en donne pas, évidemment, on vous fait payer. Donc on pousse les gens à consommer de plus en plus. Et le problème qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans un système capitaliste où il y a une concentration de la richesse et du pouvoir économique entre les mains de 200 multinationales. C'est elles qui dominent le marché, c'est elles qui ont le pouvoir économique sur les gouvernements, c'est elles qui écrasent tous les petits et qui éliminent les petits absolument tout le temps. Et là, on va prendre l'exemple de l'agrobusiness. L'agrobusiness étant, euh, c'est pratiquement la moitié de la pollution dans le monde. Là-dessus, je vais me baser sur un livre de euh, Ludo De Witt que je vous présente ici. Il n'existe qu'en néerlandais, mais en tant qu'éditeur, Investigation a décidé de le traduire. Euh, c'est vraiment un très bon livre. Je vous traduis le titre boom Je trouve ce titre formidable. Ça veut dire, lorsque le dernier arbre aura été abattu, alors on mangera notre argent, nos billets. En sous-titre, le capitalisme face à la planète. Euh, dans ce bouquin, euh, Ludo de Witt explique justement ce que je disais sur la concentration. Il prend un exemple du, des, des paysans, de producteurs paysans, qui racontent justement comment euh, ils se font écraser par les multinationales de la distribution. Et euh, un certain Rémi, paysan, explique « L'agriculture moderne ne produit pas de la nourriture, mais du profit. C'est un système d'exploitation. Quelques très gros détaillants, comme chez nous Colreuth et Deleuze, bon, français, euh, Carrefour, Auchan, Suisse, Migros, la Coop tout ça. Quelques gros distributeurs déterminent les prix. Un paysan doit vendre 18 litres de lait pour se payer une chope de bière. Colruyt se vante d'avoir 18 000 euh, travailleurs. Il est devenu une très très grosse chaîne en Belgique. Mais au prix de quoi demande, Ludo, demande Rémi. Il y a 30 ans, dans ma commune ici à Alken, il y avait encore beaucoup de petits magasins et 600 paysans. Aujourd'hui, il reste 12 paysans et tous les magasins sont partis. Et donc le problème qu'on a, c'est que dans l'agro-business, mais il y a les producteurs, il y a les distributeurs dont j'ai parlé, mais il y a surtout les producteurs. Il y a des firmes comme Nestlé, Unilever, Pepsi, Danone. Ils éliminent tous les petits producteurs du marché, et c'est eux qui produisent le plus, et c'est eux qui ont un tel pouvoir sur les gouvernements et les parlements que rien ne change. Et Ludovic pose très très bien dans ce livre la question euh, du système dans lequel on vit. L'agro-industrie, euh, je rappelle qu'elle, selon les estimations, elle pollue entre elle produit 44 à 57 des euh, émissions euh, nocives pour l'atmosphère. Et euh, Ludo De Witt explique, Aux États-Unis, la distance normale moyenne entre le champ et la table du consommateur est de 2400 km. 2400 km que fait la nourriture dans votre assiette Du point de vue de la production du profit, dit ironiquement De Witt, ce mode de commerce est très rationnel. En effet, chaque phase du processus de production se déroule là où le prix de production est le plus bas, c'est-à-dire là où les salaires sont les plus bas, c'est-à-dire là où il n'y a pas de réglementation pour protéger les travailleurs. Et donc, c'est normal pour la grande, l'agro-business, qu'on ait de telles chaînes de production et de circulation de la nourriture. Les cochons, dit-il, pour prendre un exemple, sont engraissés en Roumanie avec des déchets de soja qui proviennent d'Argentine et du Brésil, et les carcasses sont transportées en Italie où elles les transforment à nouveau en euh, nourriture. Euh, il a analysé les céréales euh, Kellogg's, qui, entre parenthèses, sont pas du tout bonnes pour la santé, et il a, qu il a repéré qu'une dose, de, une boîte, pardon, de céréales de Kellogg's provient d'un maïs d'Argentine, de poudre de lait d'Europe, de riz d'Égypte et de Thaïlande, et du froment d'Espagne de, et le sucre des États-Unis. Voilà, ça c'est le genre de production que nous amène euh, cette, euh, ce système capitaliste avec une concentration très très forte. Et il explique que voilà, les grosses multinationales ont éliminé les petits magasins, même dans un pays comme le Mexique, les petits commerces sont disparus et ce sont des supermarchés, de Carrefour et de tout des trucs comme ça. Donc, je crois que Ludo de Witt et c'est vraiment la raison pour laquelle je vais euh, traduire et éditer ce livre le plus vite possible en français. Il pointe bien. Que tant qu'on ne touche pas à la racine, à la cause fondamentale des problèmes de la pollution, on va prendre des petites mesurettes, on va se culpabiliser en tant que consommateur individuel. Bien entendu, il faut faire chacun ses efforts là où on est, mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décider qui va produire quoi et comment la majorité des gens, surtout les pauvres, vont consommer. Euh, je crois que... Et Ludo De Witt analyse bien aussi comment les solutions de certaines ONG, des partis socialistes ou écolos sont très superficielles et ne touchent pas ne veulent pas toucher au cœur du problème qui est le pouvoir des multinationales. donc je crois que si on se penche sur la solution il faut se demander la question est ce qu'on doit espérer que les multinationales doivent, deviennent raisonnables ou est ce qu'on doit imposer un autre système c'est traduire produire autrement? et je crois que le problème de l'écologie est profondément lié à la question de la pauvreté. Et on doit beaucoup se pencher sur le problème des paysans producteurs. Ici, en Belgique, avant, on consommait du haricot, des haricots produits sur place. Maintenant, les haricots viennent de, du Kenya ou d'Éthiopie. On prend les meilleures terres, on appauvrit les paysans, on pompe l'eau, et euh, les paysans là-bas euh, vont dans les bidonvilles, ils n'ont plus de boulot. Tandis que les paysans ici, en Belgique, en France, en Europe, il y a énormément de suicides, ils sont faillite. Il est clair qu'il faudrait, selon moi, protéger les paysans, subventionner la nourriture qu'ils produisent, aussi pour avoir une nourriture saine, leur faire des prêts, pouvoir faire des coopératives pour la partage de, du matériel, les faire échapper à la dictature des banques et des grosses euh, sociétés qui rachètent leurs produits et euh, quand ils sont en faillite, ben, l'entreprise est tout simplement absorbée. Donc pour prendre des mesures pour protéger les paysans, on a vraiment besoin d'un état fort qui puisse prendre les mesures contre le business. Mais ça n'a rien à voir avec l'état actuel. Je crois qu'on doit vraiment euh, changer de système. Et là, je vais euh, faire appel à une jeune fille absolument admirable, Greta Thunberg, dont vous avez déjà entendu parler. Elle, euh, elle est allée à Davos engueuler les riches de la planète. Elle a fait remarquer qu'elle était venue en train depuis Stockholm, donc elle avait mis beaucoup de temps. Tandis que les riches, euh, ils étaient venus tous en, euh, en jet privé. Donc, c'est joli d'inviter Greta parler de sauver la planète, mais ils font exactement le contraire. Et on va prendre le message que Greta, très courageusement, leur a donné là-bas et qui renforce tout à fait ce que Ludo De Witt disait, ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui. Je lis Greta Thunberg à Davos. Les responsables savent exactement quelle valeur inestimable ils ont sacrifiée afin de continuer à gagner des sommes d'argent inimaginables. Il est parfaitement injuste que les anciennes générations nous lèguent cela à nous ainsi qu'aux générations futures et qu'ils nous reviennent de nettoyer après eux. Les jeunes doivent réaliser que leur avenir est en péril. Ils doivent faire quelque chose, se mettre en colère et transformer cette colère en action. Et là donc, euh, je crois que c'est un encouragement à vraiment changer de système et cesser de faire confiance aux gens d'en haut. En Belgique, on a donc, comme je l'ai dit, des manifestations absolument magnifiques avec plein de jeunes qui brossent les cours le jeudi pour venir manifester un peu partout. Ça dure depuis des semaines. Et là, la réaction des partis politiques. On va avoir des élections générales bientôt en Europe, ou en France, des élections européennes la réaction des partis politiques du gouvernement a été euh, d'une lâcheté d'une hypocrisie d'une mauvaise foi incroyable on a même eu une ministre en flandre en belgique c'est formidable avec notre système on a quatre ministres de l'environnement et il n'y en a aucun qui fait rien et on a donc une ministre de l'Environnement en Flandre qui a déclaré que le manif pour le climat, ben c'était un complot, que les jeunes étaient manipulés par Greenpeace, peut-être la Russie ou je ne sais pas quoi derrière, que c'était un complot et qu'il fallait qu'ils rentrent à l'école et qu'on fasse confiance. Le président, de, elle a raconté des trucs, même qu'elle avait des documents de la sûreté belge expliquant que c'était vraiment un complot. Elle avait tout inventé, la pression était telle qu'elle a dû démissionner. Et son président de parti, M. Beck, a euh, dit que oui, quand même, euh, il y avait un complot derrière l'histoire du climat. Et ça le dérange, évidemment. Pendant des années, ils ont laissé les multinationales polluer, Donc maintenant, on présente la facture. Ils ont peur du résultat des élections. Et un chroniqueur dans un journal flamand que je lis ici a très bien fait remarquer... Oui, il y a des complots, mais euh, c'est pas là où on les cherche. Et il disait lui aussi... Les grandes multinationales ont un pouvoir de plus en plus grand. Ils éliminent les nouveaux ou les petits acteurs sur le marché. Et un président de parti ne devrait pas se tracasser du fait qu'un écolier reçoit des conseils de Greenpeace ou que les marches climatiques sont infiltrées par la gauche, comme si, dit-il, le pouvoir était là. Je suppose, ajoute-t-il avec humour, que dans les quartiers généraux d'ExxonMobil, d'Engie, etc., on n'a encore pas cessé de rire parce que le vrai pouvoir, il est dans le big business et dans ses lobbies. Donc voilà, je crois que on a des arguments vraiment importants pour dire qu'il euh, faut s'en prendre au système, il faut s'en prendre aux règles du jeu. Et je pense qu'on doit réfléchir à des revendications solides qui doivent être élaborées en bas. Comme Étienne Chouard le disait à propos de, du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, les revendications contre la pauvreté, il ne faut pas attendre que ça tombe d'en haut, il faut les élaborer nous en bas et les imposer pour l'écologie et la défense de la planète, c'est la même chose. Donc pour moi, il faudrait réfléchir à des pistes disant, un, que l'obsolescence programmée, vous savez, le fait que Apple s'arrange pour mettre un petit truc dans votre téléphone ou dans votre ordi qui fait qu'au bout de X années, il ne va plus euh, fonctionner euh, et c'est comme ça dans l'électroménager, dans plein de trucs. L'obsolescence programmée, ça devrait être illégal et sévèrement sanctionné avec des amendes et des peines de prison. Je pense aussi que ce gaspillage, vous savez, quand vous allez euh, au magasin et que vous dites, ah, il y a une panne à mon euh, séchelin, à, mon, à ma lessiveuse ou à ma machine à laver la vaisselle, il y a une panne, est-ce qu'on peut réparer Qu'est-ce qu'on vous dit ben, Ça coûtera beaucoup plus cher de réparer que de le remplacer. D'ailleurs, on a justement une promotion là qui est intéressante, etc. Donc, eux, ils n'arrêtent pas de pousser à la consommation. Ça, ça devrait être complètement interdit. Et je pense qu'il faut des lois très strictes pour dire, tout ce qui est réparable doit être réparé. On n'a pas besoin de remplacer un gaspillage de matières premières, de minerais, d'énergie absolument incroyable et très, ça nous fait du tort. On doit également, je pense, puisque le grand problème c'est de développer des transports publics pour les euh, personnes et pour les marchandises, il faut selon moi des transports publics pour les personnes gratuits ou à un prix symbolique pour qu'on utilise la bagnole seulement dans quand on, les endroits retirés ou quand c'est vraiment nécessaire, parce qu'on doit porter des paquets ou des choses comme ça, mais pas euh, pour aller au boulot. Ça, c'est absurde. Il faut des transports publics de qualité, fréquents, partout. Il faut arrêter de fermer les petites gares et les petits arrêts. Au contraire, il faut en développer beaucoup plus. Euh, ça doit être payé comment ben Pas par les consommateurs. Ça doit être payé par des taxes sur les profits de Peugeot, de General Motors, de Mercedes, de toutes ces firmes polluantes et évidemment des firmes énergétiques qui font des profits colossaux. Eh bien, il est temps qu'ils les partagent et qu'ils payent les équipements nécessaires. Pour développer le transport des marchandises, autrement par tous ces camions qui nous polluent, qui nous font tellement d'accidents, etc., et de, de problèmes, il faut une recherche publique financée par l'État et avec un contrôle populaire. Qu il y avait beaucoup plus de recherches publiques avant. Maintenant, tout dépend des multinationales qui ne font que les recherches qui les intéressent et qui enterrent des brevets dans les tiroirs si ça, met, si ça nuit à leurs produits actuels. Donc, il faudrait des recherches publiques pour déterminer les meilleures mesures pour l'énergie, pour les transports et pour notre santé. Comme je l'ai dit, il faut des mesures importantes pour protéger euh, les paysans. Contre le big business, il faut favoriser le circuit court, et je pense que la publicité pour les enfants, mais aussi pour les autres, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui nous euh, euh, pousse surtout les gens qui n'ont pas les moyens et l'éducation pour se méfier de la publicité, qui nous pousse à consommer des trucs euh, pas forcément bons pour notre santé et à gaspiller énormément. Donc je disais voilà, il y a des élections bientôt. Je pense que euh, il faut interpeller. Pas que je dise que tout va se résoudre par des élections. Je veux dire qu'il faut aussi, à cette occasion-là, examiner les programmes des partis. Et bon, dans les programmes des partis qui ont été au pouvoir jusqu'à présent en Belgique... La France n'a pas pu analyser ces programmes. Ce sera à vous de le faire. Dans les partis qui ont été jusqu'à présent au pouvoir en Belgique, on peut dire que ce sont tous des partis anti-écologistes, anti-planètes, des partis aux ordres du « big business ». Donc, on ne peut pas chercher de ce côté-là. On a en Belgique, on annonce un très grand succès électoral d'Ecolo, de, c'est le Parti vert en Belgique et Groen en Flandre. C'est une bonne chose, je pense, que les gens expriment leur mécontentement, leur envie de changement. J'ai lu un peu les revendications qu'ils proposent s'ils arrivent au gouvernement. C'est sympa, mais c'est très mou. Hein. C'est des petites mesures. Il n'y a pas vraiment des choses fondamentales par rapport au big business. Euh, J'ai vu tout récemment, comme le gouvernement est dit, quasiment dissous en Belgique, il est au chômage, que les écolos ont fait une bonne proposition c'est qu'on ne puisse plus, le pays la Belgique ne puisse plus partir en guerre sans qu'il y ait un vote et une discussion au Parlement. Je trouve ça bien, parce que justement, Ecolo a beaucoup trop approuvé les guerres décidées par le big business en Europe. Donc, ce serait bien qu'il y ait des débats et ils devraient ouvrir ce débat. Mais leur programme pour la planète, je pense qu'il n'est pas à la hauteur des, des attentes des jeunes. Il y a le PTB aussi en Belgique, évidemment, qui a un programme plus radical, qui exprime qu'effectivement, si on veut défendre la planète et la santé, il faut prendre des mesures contre le big business. J'aimerais bien qu'ils insistent plus sur l'opposition à la guerre parce que je pense que la guerre, c'est un moyen de domination et d'exploitation de l'ensemble de la planète. C'est par la guerre que les multinationales appauvrissent les pays producteurs du tiers-monde, les empêchent de se doter de dirigeants qui vont prendre des mesures écologiques et des mesures contre la pauvreté. Et donc voilà, je crois qu'il y a besoin d'interpeller tous ces partie par rapport à cette euh, nécessité de prendre en main notre sort sur la planète. Je regarde rapidement vos interventions et vos questions. Je ne pourrais pas en prendre beaucoup parce que c'est difficile en même temps de donner les explications et de présenter les images. Oui, voilà, Alors, il y a des interventions intéressantes. Donc, je vous, euh, le, vous savez que... Après Facebook, on sera aussi sur YouTube, ça va être euh, rediffusé. Carmelo, par exemple, qui dit Le coût logistique des marchandises support, sur, dépasse le contenu. C'est absurde. Tout ça pour privilégier ces grosses firmes qui nous bombardent de pubs et les producteurs locaux sont inaccessibles pour la majorité des gens. Tout à fait, c'est vraiment euh, très très bien. Euh, on doit vraiment discuter. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'on doit maintenant favoriser les producteurs locaux et on doit diminuer tous ces trajets. Euh, Quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine comme sujet. Je n'ai pas encore décidé. Vous pouvez envoyer vos propositions euh, et vos commentaires et vos réactions. J'ai affiché l'adresse Michel Midi à l'investigation, on la remettrait à la fin, mais j'oubliais que là-dessus, vous ne m'entendez pas. Donc, euh, je n'ai pas encore décidé. Vous pouvez envoyer vos propositions, vos questions, vos demandes, vos critiques pour euh, les prochains sujets à déterminer. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt et je pense qu'en conclusion, c'est vraiment important de réfléchir et d'engager un maximum de débats autour de nous sur toutes ces questions. Je crois que l'humanité est à un tournant sur la question de la pauvreté, sur la question du développement et de la justice, sur la question du climat, sur la question de la guerre. On est vraiment à un tournant et la question doit être posée dans ces termes. Ou bien on se bat tous ensemble pour le bien commun, c'est-à-dire produire les choses dont nous avons besoin, pas des choses inutiles, nocives qui exploitent et qui font du tort à beaucoup de gens, ou bien l'humanité se bat ensemble pour le bien commun, ou bien on continue à être dominé par la loi du profit maximum et de la concentration en main du 1%. L'humanité doit choisir entre coopérer ou se battre. Je vous remercie.